Bah non, enfin, on grimpe pas trop parce que on fait un exercice, on part de bas et on monte. On va la réduire, mais justement, puisqu'on la réduit, il faut faire gaffe. Fox, uniforme Zulu, piste 08, gazonné, autorisé atterrissage, vent 0,79,5 nœuds. Uniforme Zulu, c'est accès sur la dure. Fox, uniforme Zulu, piste 08, dure, autorisé atterrissage. Fox, uniforme Zulu, j'atterrisse sur la 08 dure, hein. Merci beaucoup. Ok, elle tourne, je synchroniserai les deux après. Donc là, normalement, je suis horizontal, un peu incliné vers le bas, pour pas voir trop de ciel, sinon c'est pas intéressant. Les vibrations, ça va pas gêner? Ben, un petit peu, mais bon, on verra bien. De toute façon, le moteur, il va être au ralenti, on verra bien ce que ça donne. Latéral gauche. C'est pour ça qu'il faut acheter une version 9. Stabilisateur intégré. Ah ouais. Ah ouais, c'est bon là. Fox Echo Victor numéro 1, rappelez la piste de 8 gazonnée. Fox Echo Victor numéro 1, rappelez la piste de 8 gazonnée. Ah bah non, celle-là, c'est vrai qu'elle est en manuel. Voilà. C'est lancé. Hop, il y a le temps, on arrive en 6400. Caméscope synchronisé et ça sera bon. Il n'y a pas de profondeur, 7000 avec, c'est bon. 7000 à tout à l'heure, hop, il y a le temps. J'enlève ça. Alors, synchro. Monsieur l'instructeur, alors faut regarder ça, a priori, ça devrait être visible. Bon bah écoute, c'est quand tu veux, moi je suis focalisé là-dessus. D'accord, donc on est à 1500... J'enlève les pieds du machin. On va se dire qu'on part de 1500 pieds. Voilà. Et donc on va se mettre en montée et on va dire à 600-700 pieds, on va dire 700 pieds. Ouais. Réduction de puissance. Donc on part là 2400, ouais, ça fait voilà. Ouais. Ça donc fait, là, on, tiens, ça fait voilà. Plus 4000. On est en montée. Voilà. C'est comme si on décollait là. Tout à fait, ouais. Voilà, 1500 décolle. 500 décolle. 70 nœuds. 70 nœuds. Ah, j'ai toujours un cran de volet.
1660. Voilà, on est 200 pieds au-dessus de la piste. 1700. 300 pieds au-dessus de la piste arrive. Fox, c'est commis sur piste 08, gazonné autorisé, touché, vent 0,90 degrés, 8 nœuds. Echo Victor, 1900. 08, gazonné autorisé, touché. Ah, 500 pieds au-dessus de la piste, pas de moteur. Ah mince, qu'est-ce qui arrive? Ah, vite, je rends la main. Et là, bonjour de Fox Hotel Oscar. Et là, je choisis un demi-tour, sécurité à gauche. Ah, j'ai pas fait sonner. Je suis 82, je sors, 100, 1600, on sort. Je sors un grand volet, 1520. Juste, hein. Ouais. Et je suis à 75 nœuds. Et j'ai juste eu le temps de sortir le deuxième cran de volet. Hein. Ouais. Transit P, okay. 500 pieds, on appelle écho, transpondeur 37, 37, bien. Je rentre un cran, je suis en descente. On souhaiterait rejoindre la porte arrière pour une option. Allez, on va se remettre dans l'autre sens parce que là, face au soleil, c'est que dalle. Je dirais que t'as été assez rapide par rapport à la réduction, tu sais. Ouais, t'avais dit 3 secondes. Ouais, je sais pas, quand je t'ai peut-être eu 2 secondes à tout casser. Et ben, on va faire plus long. Et déjà, on voit qu'avec ces raccourcis, les 500 pieds, on les ajuste. Hein. Ouais. Alors, je continue, je vais un petit peu plus loin pour. D'accord. On est de la marge. Fox Charlie Lima, transpondeur 37-20. T'as vu comme la vitesse s'effondre, hein, le temps de réaction. On est à 60 nœuds et des poussières. Charlie a translaté piste 08 gazonnée via novembre 3. Alignez-vous piste 08 gazonnée. Elle t'a montré que la luminosité de l'autre côté n'est pas terrible. Là. 08 gazonnée, on attend. Événement rare, un instructeur qui pilote. Ah. Charlie, ma piste 08 gazonnée autorisée, décollage, bon, 0,60 degrés 5 nœuds. Oui, décollage 08 gazonnée, Charlie. Ok, je vais retourner à gauche pour s'axer mieux. Donc, Charlie, ma entrée, rappelez, vent arrière, main gauche, piste 08. On rappelle, vent arrière, main gauche, 08, Charlie, ma. Donc, Charlie, ma trafic Cessna en vent traversier pour des tours de piste. Reçu, Charlie, ma. Et on prendra la bande de l'Islande. Trafic, écho, s'intégrant en vent arrière. C'est coupé par rapport à la trafic, Fox, Gulfant, pas visuel. Ouais, c'est quand même mieux dans ce sens-là. Fox, Charlie, une tour bonjour, allez-vous piste 08, qui autorise le décollage, vent 0,62,59. Fox, Charlie, Manning, 08, 0,02. Ok, donc un cran de volet. Alors cette fois-ci, je vais faire une inclinaison plus standard, on va dire. D'accord. Ok, alors. On a mis la Fox Echo Victor. Allez, on est remonté. On prend pas 1700 là. Ok, on passe 1500. Ok, on est 200 pieds au-dessus de la piste. Charlima, numéro 2, trafic précédent, Cessna, traverse pour appeler Cessna, piste 08, et pour la gazonne. Et on appellera, numéro 2, on appellera en... Alors, je ne sais pas s'il y avait le taquis, mais là, normalement, je l'ai. Et Charlima, correction, le Cessna, 300 pieds au-dessus de la piste. Et vous êtes numéro 2 derrière pour la gazonne. Qu'est-ce qui se passe? 2 secondes. 3 secondes. 4 secondes. Je
main. Je décide le demi-tour. 20 degrés d'inclinaison, sécurité à gauche. Je suis très très loin de la piste. 40, voilà, le 20. Voilà, et là je suis au sol pieds. Et la piste est loin devant, donc ça passe pas. Clairement, ça passe pas. D'accord. Ok, allez, on va se repositionner. Donc à 500 pieds, ça passe pas. Hein. Pas du tout même. Et un pilote qui filme, ça c'est étonnant ça. Surtout le connaissant lui. Donc on voit que 500 pieds, ouais, en inclinaison, petite inclinaison, on va en train de la piste. La meilleure chose qu'on peut faire, c'est de se poser sur la piste en l'air, si on est en 26 par exemple. Oui. Déjà comme ça, si tu pars, ouais, et puis la partie du virage qui est fait. Et puis les 500 pieds sol, on est quand même relativement éloigné, même si le vent est censé nous rapprocher de la piste, puisqu'on serait posé, on se serait posé vent arrière. Donc là, c'est étudier les options diverses, quoi. Voilà. Donc c'est quoi, Victor, piste 08, bien donné, autorisé. Les caméras fonctionnent. Celle sur ma tête fonctionne aussi. Autorisé, piste 08, bien donné. Il y a aucun. Il y a les marques, il y a 08, bien. Sur les marques, piste 08, bien autorisé. Au-dessus de la piste. Un peu lent, je laisse accélérer. 60 km. Voilà, perte de puissance. Je rentre. Et on est à 500 pieds, on n'a toujours pas rejoint la piste et en plus on est à 92, donc on percute le sol. D'accord, donc là cette option là est clairement rejetée quoi. Bah voilà, les grandes inclinaisons ça marche pas plus que le reste, avec une marge de 500 pieds. Donc on va se donner 200 pieds de plus, ouais. On va voir si ça passe.
discutable. En tout cas, dans une la difficulté, c'est de se dire à partir de combien de temps on est assez haut, oui, pour faire demi-tour. C'est ça. Ouais. Mais d'accord. Mais on est loin. Même on est loin. Mais, voilà. Si on est haut, c'est qu'on est loin. Donc, à quel endroit la panne moteur peut être acceptable pour faire le demi-tour? Ouais. Virage standard. Ouais, je vais essayer 800 pieds parce que 100 pieds. Tu vois, 700 pieds, 800 pieds, ça nous met. Ouais. Ça nous met maison dans la forêt d'Abraville. Là, tu vois. Oui. Juste avant de tourner à droite, en vent traversier. Allez, on est en pleine école. Sachant aussi que plus t'es haut, plus t'es vite, puisque normalement à cette hauteur-là, t'es à 82. T'es un petit peu plus vite, ouais. Mais surtout, t'es plus loin. Est-ce que t'auras la distance pour rejoindre la piste? Ouais. C'est aussi ça. Hein. Parce que faire demi-tour, oui, mais après, si tu te poses sur la francilienne. Degrés, bon, on sent la différence quand même, hein, ouais. C'est meilleur. Allez, perte de puissance à 700 pieds. 2200, 700 pieds, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, je décide de demi-tour tardivement. Allez, 37 degrés, hein, on est dans le... Là, je suis déjà plus qu'à 200 pieds sol. Je sors tous mes volets, bien qu'étant à 90 nœuds, mais 87 nœuds. On est censé être sur la piste. Là. Voilà. Bah, le dernier virage pour alignement, il se fait au sol quasiment. Hein. Ouais. Voilà. Ok. Donc on voit 700 pieds, c'est le minimum du minimum pour pouvoir sortir à une altitude convenable, oui. Mais on ne sait pas si on est sur la piste. On ne sait pas si on est sur la piste, voilà. Et si on est au-dessus d'une forêt, voilà. Il y a des chances qu'on soit sur les arbres. Voilà. Ok, bon bah moi j'ai pas besoin d'en faire plus. D'accord. Tu veux pas faire un essai avec un plus 1000 pour vérifier à quel moment... Avec un plus 1000 1000 pieds, ouais. Ouais, mais 1000 pieds. Alors on est où dans le tour de piste? 1000 pieds. On est en vent traversier. En vent traversier, là. Moi je fais plus demi-tour, là je vais me poser dans la clairière qui est sur Villiers. D'accord, ok, donc après c'est les études des après, options. Voilà, après on regarde les... On regardera ensemble sur la carte les options possibles du... quand tu es dans le tour de piste, où est-ce que tu vas. Ouais. Là c'était juste pour le demi-tour. Le demi-tour tu peux pas l'envisager si tu es très très loin. Non, tout à fait, ouais. Okay. C'est vrai que là, finalement, la question peut se poser sur un autre terrain. C'était ça. Voilà, sur autre terrain. Et on verra dans l'environnement de Logne des options possibles. Il y en a quelques-unes qui ne sont pas si évidentes que ça au départ. Mais Pas forcément, non. Si on n'a pas bien regardé la carte avant. Bon. Ok pour ça, alors. Allez, bah, je fais une synchro d'arrêt.
et 2-1 qui est rangé. Tu as 18 minutes là. Ok. Là, c'est très suffisant pour exploiter ce qu'on a exploité. Et voilà. La caméra, elle est off. On la pose là-bas. Attends, les pays, la tour écoute. Pénètre piste 26 gazonnée, j'ai pas de trafic pour l'instant, je te rappelle. Ok.